Ce qu'on s'est tout de suite dit avec Jean-Yves, c'est voilà, qu'il devait y avoir une forme de neutralité des éléments mobiliers, justement par rapport à cette hétérogénéité des morceaux qui allaient être diffusés et proposer une expérience d'écoute singulière. Donc l'expérience d'écoute, elle vient à la fois du mode de diffusion en lui-même et donc des quatre enceintes qui sont positionnées aux quatre angles de cet espace, qui effectue une stéréo croisée en fait à l'intérieur de celui-ci, et on va dire, de tout cet ensemble de modules d'assises qui proposent des assises justement différentes. Et donc qui proposent non pas des points de vue, mais des points d'écoute distincts en fonction de là où on se place. C'est-à-dire qu'on ne recevra pas, on ne percevra pas l'œuvre de la même manière si on est assis là, que ici même. À partir des années 2010, je me suis dit qu'il faudrait sans doute réfléchir à un dispositif un peu plus neutre qui serait aussi à même d'accompagner, de révéler toute la nouvelle génération d'artistes sonores qui explose aujourd'hui. On a souvent connaissance d'une scène électronique en France très riche, mais il y a vraiment une scène qu'on appelle art sonore maintenant, ou d'artistes sonores, qui sont à mi-chemin entre la radio, la musique expérimentale, la musique électro, la musique concrète et d'autres expériences qui n'ont pas toujours vraiment leur place dans les concerts, dans les festivals, pas toujours ou un petit peu à la radio, et pas toujours, il n'y a pas de dispositif pour les présenter dans les espaces d'art, dans les musées, dans les centres d'art. Et ce dispositif a vraiment été pensé à la fois comme un outil pour les commissaires, les curateurs, les conservateurs, mais aussi pour aider la génération dont je fais partie, ces gens qui ne trouvent pas toujours un bon écrin pour diffuser leurs œuvres. Donc c'est vraiment un dispositif de monstration, d'écoute au service des artistes. Et voilà, c'est un peu différent parce que c'est une œuvre au service ou un dispositif au service d'autres œuvres.